Ciao, profite bien. Puis nous, on était aux proches perdus, mais je me demande si est-ce qu'on continue à essayer de l'avoir ou est-ce qu'on part ailleurs maintenant qu'on a en fait on avait récupéré le double saut l'autre fois. Ce qui va nous être fort utile. Le proche perdu, on pourra toujours aller se le refaire après. En fait, c'est vrai que je préférerais nettement le faire une fois que j'aurai un ou deux pouvoirs, notamment le pouvoir qui, quand tu fais un dash comme ça, te permet en fait de passer au travers de l'ennemi et non pas qu'en fait la hitbox de ton personnage reste complète quoi. Alors que quand tu fais comme ça et que tu passes à travers un ennemi avec le pouvoir, et littéralement tu passes à travers. Donc tu ne prends pas de dégâts. Et c'est quand même assez utile pour ce boss fight. Je pense qu'on va faire ça. On va essayer de pas trop faire de trucs compliqués tout de suite. Pas trop tryhard. On tryhardera à la fin sur le DLC. Là par contre, on aura beaucoup plus de challenge. Je préfère déjà faire le max. Ouais, la hitbox reste, exactement. Je te dis pas de l'activer. Je suis pas sûr de comprendre. Je suis désolé. On va retourner sur nos pas. Mais là, on est en train de parler de la chatbox ou de la hitbox de mon personnage. Justement, je suis pas sûr de quoi on parle là. Ah, puis bah, maintenant qu'on a le double saut, on peut aller là. Ouais, la hitbox quand tu dash, d'accord, ouais. Ah oui, ouais, non, c'est vrai, je cherchais le mot. Ouais. Bah, ouais, elle reste là, mais disons qu'en fait, tu n'es plus vulnérable, même si ta hitbox touche celle de l'adversaire. On va éviter d'aller là-dedans tout de suite. On peut les drainer là? Ah ouais. Apprends que le roi est parti. Tu fais souffleur. Comme au théâtre. Station cachée. Ah bah parfait. Ouais parfait, il y a une station de coléoptère en fait ici. Ah bah génial en fait, ça va nous aider vachement pour pouvoir directement revenir ici une fois qu'on aura le. Une fois qu'on aura plus de pouvoir. Parfait, parfait. Et il y a un banc. Ah bah, que demande le peuple. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais c'est l'idée. C'est pas grave, c'est l'idée. Que tu te fais pas toucher quand tu dashes. C'est quand même un pouvoir qui est particulièrement efficace et important sur certains boss fights. Il y a tout le côté vert chemin qu'on n'a pas fait parce qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on a exploré. Je voulais retourner au mont cristal parce qu'on n'avait pas pu explorer tout en haut. Et parce qu'il nous manquait le dash, et maintenant qu'on l'a. Ah non, on va faire ça parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait un pouvoir qu'on pouvait pas aller chercher. Là, ça fera d'une pierre deux coups. Ça nous fera un pouvoir, et en plus, on pourra explorer le reste. Par contre, ouais, le plus simple, c'est de retourner à Dirtmouth en fait. Et que maintenant, on a fait le raccourci. French from overstream. Alors moi j'ai un accent de Suisse. Je ne suis pas français, j'ai un accent suisse.
un accent, même plus qu'un accent suisse, un accent genevois de Genève. Apparemment, il y a un accent, apparemment. Forcément, moi, je pourrais pas trop m'en rendre compte, mais il y a un accent. J'espère vraiment que le son du micro est beaucoup mieux qu'avant, parce que j'ai passé pas mal de temps dessus aujourd'hui. Oula, 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 oula. J'ai passé pas mal de temps dessus, ça m'avait l'air vraiment bien quand j'ai fait les tests, beaucoup mieux que sur les autres, sur les anciens streams. J'espère que pour vous, vous l'entendez aussi. C'est vrai, t'aurais pas deviné. Bon. Bah, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que j'avais vraiment cet accent là. Où est-ce qu'il était ce truc déjà? C'était en bas. Ah, par contre, il y a un combat de boss qu'on peut aller faire tout de suite en réalité. On n'avait pas avant. C'est un ennemi ça. J'ai cru que c'était Mila. Ouais, ouais, il y a un combat de boss qu'on peut aller faire là. On va déjà s'asseoir au banc. Et puis ici avant on pouvait pas monter. Et maintenant avec le double saut, il y a vraiment tout plein de petites parties du jeu qui s'offrent à nous. Et là on a la version améliorée du golem. Ah, du curieux gardien. Mais qui est une promenade de santé une fois qu'on a le double saut, je trouve. Bon. Là, il fait quand même double dégâts. Hein. Oula. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Allez, une vie. Ah, j'étais greedy! J'étais greedy! Ouais, j'aurais dû donner un coup de moins. Yeah, it's okay, Purple. Good lurk. you're learning Swiss here. Hop là! Il s'est brûlé le pied. Non! Ouf! Oh là 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 là, c'était juste, juste, juste. Désolé si j'ai crié. Ouais, la santé, elle est partie en promenade là. Je me rappelais pas qu'il faisait double dégâts à chaque fois qu'il te touchait. Côté non plus. Ouais, un éclat de masque, c'est bien. Hein. Petit éclat de masque. Ça nous fait un boss de plus de fait. Puis maintenant, du coup, il fallait aller à gauche, on peut monter. Bon, ça s'est pas trop mal passé, deux trails. Ça va. Oh là là. Ça va. Ah, mais c'est pas ouvert ici. Ah, c'est plus simple avec le double saut quand même. C'est plus agréable. Alors c'était ici. Ils ont l'air de dire au niveau de la carte qu'il y a quelque chose en haut. Alors
Peut-être pas de ce côté, mais par contre plus loin à droite. On va se soigner un coup. Faudrait que j'essaie de mettre une petite alerte quand vous utilisez les points de chaîne, ça serait plus chouette parce qu'on aurait un petit truc qui s'affiche à l'écran au moins. Non mais je te comprends, y a pas de mal. C'est bien fait pour ma gueule. C'est bien fait. Comme je te dis, je me rappelais pas du tout que ça faisait double damage et du coup c'est pour ça que je me voyais absolument pas mourir. Oula oula oula. Alors là je sais pas où elle était partie la hitbox mais je me voyais 100% me faire toucher là. Et y a pas de mal, tu peux tout à fait te moquer. Ça fait partie du jeu. Oh, qu'est-ce que c'est agréable, double saut, purée. Alors, c'est ici qu'on n'avait pas pu aller là. On ne pouvait pas aller plus loin la dernière fois. Maintenant, avec le double saut, on va pouvoir y accéder. Bah écoute, fais-toi plaisir, tu as le champ libre. Au contraire, lâche-toi. ça va être compliqué avec, avec le mob là. Oh bah parfait. Ah, de nouveau là, hein, j'avais jamais vu, hein, c'est la première fois que je vois, mais en fait il nous indique un peu quand faut faire un cristal dash avec cette espèce de petits cristaux qui laisse traîner à des endroits particuliers. Ouh. Pardon, j'espère que ça va pas trop crier. Mais c'est marrant, je m'étais jamais rendu compte qu'il nous laissait traîner des petits indices comme ça. Bas, ça devrait le faire. Ouais. Ok, bah écoute, ça me fait vachement plaisir parce que j'y ai passé du temps cet après-midi. Et ouais, j'ai mis en place tout un tas de filtres pour mieux régler ça. Ah, je sais pas, quand même, j'ai réécouté un petit peu quand j'ai fait le... Quand j'ai fait le... Comment on appelle ça? Le découpage pour YouTube. Parce que généralement, ce que je fais, c'est que je fais un live en entier. Puis juste avant d'aller me coucher, je fais le découpage en à peu près 6 parties pour YouTube. Et du coup, je me réécoute. Je me réécoute pas 4 heures, mais j'essaye à peu près en gros d'arriver à entre 25 et 50 minutes à chaque fois. Donc je réécoute quand même un petit peu certaines parties et je me suis rendu compte que le son était un peu... était pas terrible. Et puis tu parlais d'aujourd'hui, d'accord, ok, ouais. Bah... Ouais, je sais pas. Ah d'accord, ouais, alors je comprends dans quel sens t'as voulu dire. Ouais, excuse-moi, je sais pas ce qui m'arrive ce soir, je comprends mal les choses. Ouais. Bah écoute, alors tant mieux si depuis là le début d'aujourd'hui ça va bien en termes de son. Ce que j'utilise, j'ai mis pas mal de trucs en place. J'ai regardé un ou deux tutos et c'était hyper intéressant. C'est la première fois que je m'intéresse au son en fait. J'ai mis un compresseur sur le son du jeu et en fait j'ai fait ce qu'on appelle un sidechain ou un ducking. Sur le micro par rapport au son du jeu, c'est à dire qu'en fait quand je vais parler, le son du jeu
va être baissé très légèrement. J'ai fait plusieurs tests, j'avais mis beaucoup trop fort au début, donc on n'entendait plus le jeu. C'était assez horrible une fois qu'en fait j'arrêtais de parler. Ok, bah alors je détaille pas plus si tu connais. Mais du coup, voilà, je voulais tester, voir si un léger de King, ça rendait bien. Et puis, je l'ai fait aussi pour la scène Just Chatting avec le jazz. Donc voilà, les deux, ça avait l'air de bien marcher. Je trouvais ça plus impactant sur le jeu quand même. Et puis, en termes de micro, par contre, là, j'ai mis pas mal de choses. Si je vais dans les filtres, j'ai mis un égaliseur à 3 bandes dans OBS et j'ai réglé les aigus, le médium et les basses. J'ai mis une suppression de bruit, j'ai mis ce qui s'appelle le RNN, enfin le RN Noise, qui apparemment utilise beaucoup plus du processeur, mais par contre c'est de la bonne qualité. J'ai pas l'impression qu'on ait des frame drop, donc je vais laisser comme ça. J'ai mis un expander que j'ai réglé comme ça en fait. L'expander, il faisait quoi déjà? Il faisait en sorte qu'on entende en fait non pas le son de l'ordi, mais par contre qu'on entende quand même quand je chuchote, mais pas trop. J'ai mis un compresseur aussi et un limiteur. Donc ouais, j'ai mis pas mal de trucs en place en suivant un tuto qui était très bien expliqué. L'expander, ouais, en fait c'est comme un gain. En fait, ça va faire que quand tu chuchotes, ça va donner un boost à ta voix pour que même quand tu chuchotes, le son final qui va sortir soit toujours à peu près dans la même moyenne. C'était vraiment chouette, le gars, comme il expliquait, et puis c'était très clair. Exact, j'ai appris du coup que le limiteur. Voilà, tu le mets vraiment à la limite haute de la barre rouge, hein, du côté rouge de la barre quand tu arrives dans les aigus. Enfin, plutôt quand tu arrives dans les décibels hautes. Et puis visiblement, ça marche bien. C'est chouette. Eh ben voilà notre deuxième minerai pâle. On va pouvoir aller augmenter l'aiguillon du coup maintenant qu'on en a deux. Ah bah alors. Alors c'est peut-être l'inverse. Je t'avoue que j'ai peut-être mélangé entre les deux. Je suis pas un gesson. Et je fais pas de musique. Donc j'ai peut-être mélangé entre les deux parce que je les ai mis les deux en même temps, l'un à la suite de l'autre. Alors c'est possible. Puis là en fait on est tout en haut d'Alonest. On est tout en haut d'Alonest. On peut pas aller plus loin. Puis je pense que si on tombe de l'autre côté, là on va arriver vers Dirtmouth en fait. Je vais peut-être éviter. Ah mais quoi qu'en fait, est-ce qu'on a encore quelque chose à faire? Ouais, faudrait qu'on aille chercher ce pouvoir. Est-ce qu'on a un moyen facile de le faire? Parce que sinon c'est long à y aller en fait. On va essayer. Je sais qu'il y a une zone encore tout à gauche de la map qu'on peut atteindre à partir de là en faisant un crystal dash jusqu'au bout là-bas. Mais j'ai pas spécialement envie de le faire maintenant. Ah non, on revient à Crystal Peak. Bon bah, à la limite tant mieux, comme ça on y est encore. Hein. Comme ça on y est encore, et puis on n'a qu'à descendre de deux, en gros, deux gros étages. Descend, 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 descend. Ah bah ça va vite. Hein. Presque arrivé. C'est une noise gate en plus doux, ok. J'en ai pas mis de noise gate, mais du coup ça doit effectivement avoir le même genre de rôle. Comme un limiteur, mais qui fait le boulot. Ok, d'accord. Ouais, c'était là. Ah ouais, par contre. On va aller chercher un nouveau pouvoir. Thank you.
Voilà, ça on pouvait pas faire avant. Je me rappelle pas du tout lequel c'est. J'espère que c'est le dash. Ah, c'est peut-être un bon indice du coup que ce soit le dash si on nous demande de l'utiliser là. J'espère. On va voir. Hop là. Ah non, c'était que pour du... Bon. Ah mince, j'ai pas pensé qu'il était pas encore retourné. Oh là là. Ah, je déteste ces ennemis. Ok, il y a un passage à gauche. Et là, on a un grob. Ok, parfait. Tu es libre. Et du coup, il y avait un passage à gauche. Ouais, mais il y avait ce truc. Voilà, bon, tant pis, on va prendre un peu de dégâts, mais au moins, on sera monté. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. Il y a cette espèce de truc qui nous donne les pouvoirs qui est coincé. Ah non, c'est les ténèbres descendantes, ok. Bon, ça nous donne pas... Ça nous ouvre pas plus de portes dans le monde, je crois. Je crois pas qu'il y ait d'endroit qui a besoin de ce pouvoir-là. Mais bon. C'est un nouveau pouvoir. Il me faudrait celui-là, l'esprit vengeur, mais en version... je crois que c'est les ténèbres vengeurs. Je sais plus. Par contre, du coup, si c'était pas ici, où est-ce qu'on l'obtient, le dernier pouvoir? Ah mince, j'aurais pu en profiter pour... Pour passer au repos éternel, en fait. Ah ouais, on va faire ça. Je vais me laisser tomber... En fait... ouais. Ici... Puis comme ça on va arriver au repos éternel, ça nous évite de faire tout le chemin dans le sens inverse. Voilà. On a des thunes ou pas? On a un peu de thunes. On va presque aller au marchand vite fait. Peut-être qu'on a un emplacement de charme à gagner. Enfin, à acheter. On peut aller se mettre au banc là-bas déjà. On va descendre. On va descendre. Ah, et puis on a l'aiguillon à améliorer. À la cité des larmes. Ouais, on va faire ça. On va améliorer l'aiguillon, ce qui va nous donner quand même un certain avantage. C'est dingue, j'ai envie de tout faire en même temps. On va faire l'aiguillon peut-être en premier. C'est ça qui va procurer, je pense, le meilleur boost. C'était quoi ça? J'étais déjà allé là? Ah oui, j'étais allé. Des fois, vraiment, je me rappelle pas si j'ai fait ou pas les trucs. Alors... J'ai combien d'essence? Non, j'en ai pas 200. Il nous en fallait 200 pour qu'elle nous donne le prochain item de la quête. Butte cristallisée, couronne d'Alonest. Ouais, ça c'est ce qu'on a exploré. Aller les cités des larmes. Du coup, c'est quelle station, la cité des larmes? Parce que là, on voit qu'il y a le... Je l'ai peut-être pas déverrouillé, en fait. On le voit, mais je l'ai peut-être pas déverrouillé. Ah ouais. Bah, c'est embêtant, ça, du coup. Parce qu'il est quand même un peu central, cette station. Elle est centrale, cette station de coléoptères.
Est-ce qu'on n'irait pas? Ok. Qu'est-ce qu'il y a le plus proche? La station du roi est assez proche. La station du roi est assez proche. On n'a qu'à dasher en ligne droite. On va peut-être juste s'asseoir comme ça. On va rester là. Ouais. On va y aller comme ça. Par contre, je vais remettre. J'ai plus le. J'ai plus la page Twitch devant. Ah, mais du coup, je vois pas si jamais qu'il utilise des points de chaîne. C'est embêtant en fait. Bon, je vais laisser ça comme ça. Voilà, je laisse la page Twitch en premier plan sur l'autre écran. Dash pour passer ça d'un coup. Ah mince. Ok. Tiens, je me demande si on peut. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Il n'y a rien. Toujours des petits secrets comme ça des fois, donc on sait jamais. Et c'est peut-être trop cher l'amélioration, donc on va aller vendre un ou deux trucs. Ah, pas grand chose. Oh Paul, Helma Delka. J'espère que c'est pas trop cher. C'est vite fait quelques petites géo pour arriver à 2000. Ouais, on n'arrivera pas à 2000. Hein. J'espère que c'est pas 2000. Ça me paraît très cher, 2000 quand même. Mais... Oh. Je crois me rappeler que c'est pas donné quand même les améliorations d'armes. Non, on n'arrive juste pas à 2000. Allez, faites que ce soit pas 2000 là. Ah, Ronjo's Danger. Non, c'est pas possible. Il nous manque 90 géo, quoi. Ah là là. C'est une blague, quoi. Bon. On a vite fait tuer 2-3 ennemis qui sont à côté. Il y en a quelques-uns là à côté qui donnent un peu de thunes. On aurait eu n'importe quoi d'autre comme comme consommable, ce serait passé quoi. Enfin plutôt comme collectible à lui vendre. Voilà, je sais que eux ils rapportent de la thune. Thank you.
Ouais, ce sera notre ennemi final. Allez, la petite Amelio. J'ai pas vu arriver celui-là. Allez, let's go. Ranjo's danger. Je suis moins pauvre. Voilà. Maintenant, je suis de nouveau pauvre. Ce dernier coup de marteau est incroyable au niveau du sound design. Je sais, je l'ai dit et je le redis. Comment il est maintenant notre aiguillon? En spirale, ok. Je trouve que c'est presque sa plus jolie forme, comme ça en spirale. Allez! Bouge. Où qu'on va maintenant? Ce serait bien qu'on débloque cette station de coléoptère qui est juste en haut. Ouais, on va remonter. Parce que mine de rien, c'est quand même central. Si on a besoin de revenir par là et on aura probablement besoin de le faire, ce sera bien utile. Ah, maintenant je l'ai tué en deux coups. Avant c'était trois. Très bien. Il y a du progrès. Ah, ça on l'avait déjà vu et on peut pas parce que je suis sorti, on peut pas sortir de ce sort. Allez. Est-ce que j'avais pas été chercher le... Ça m'étonne quand même que je l'ai pas ouvert. C'est plus haut. On peut aller là-haut? Non, on peut pas. Je me demande pourquoi j'ai pas réussi à la déverrouiller. Parce qu'il me fallait un pouvoir. Est-ce que je suis passé à côté? Ouais, là, faut monter. Bien joué. Là, il y a un arbre. Ah, on va le faire comme ça, ça va nous faire nos essences qui nous manquent. J'aimerais autant bien commencer par le bas. Voilà. Et ça par contre... Voilà, ça va nous embêter.
reste encore. Ça doit être en haut. Ouais. Ouais. Ils sont tous là. Parfait. Puis on a atteint pile les 200. Qu'est-ce qu'il nous dit l'arbuste? GG. Non, il était en haut. Tellement à m'asservir, à me corrompu. Ok. Et normalement, notre station de collecteur, elle est là-haut. Ça, je me rappelle que j'avais pété la chaîne. Bah ouais, je pense que je l'ai déverrouillé. Bah ouais. Bon. Est-ce que c'est parce que j'ai pas appelé le coléoptère? Ah non, ça s'appelle entrepôt de la cité. Est-ce que je l'avais déjà déverrouillé? Au moins, on s'est ôté du doute. Par contre, à gauche, on n'a pas le... Il y a un bout de la carte qu'on n'a pas. Rien là-bas. Ok. Je vais peut-être juste me mettre sur le banc, ça je récupérerai ma vie. Au lieu de crever comme un débile. Et par contre, tous ces trucs, évidemment, ont réapparu. Ouais, c'est cette partie-là que j'ai pas. Et un ascenseur... Ah, mais j'ai pas assez de géo. 150, il y a un ascenseur ici. Ah, et ça va là-haut. Ok, et bah je vais aller récupérer 50 géos. Heureusement qu'il en faut pas plus. Ici il devrait y en avoir assez avec tous les trucs qui volent. Faut que je sois capable de les récupérer. Ouais, voilà. Là, il y avait des mobs. C'est parfait. Encore un ou deux mobs et on est bon. Parfait. Hop, hop, hop. Allez, on y retourne. Ça fit, ça fit, ça. C'était là. Bim. Voilà. Ah, il est pas un petit, hein. J'ai pas l'impression qu'on puisse monter sur les murs entre les deux, par contre, comme on pouvait le faire sur l'autre. Non, il n'y a pas du tout de chemin. On peut aller soit à gauche, soit à droite. À gauche, il n'y a pas l'air d'avoir de chemin, pourtant. Plus de petits mobs. Assez agréable quand même de les one-shot. Hein. Ah, un éclat de... Non, c'est quoi? C'est le réceptacle. C'est l'âme. C'est pas un éclat de masque. Ok, pas mal.
plus qu'un pour avoir le deuxième. Et puis du coup, on avait un deuxième passage à droite de l'ascenseur. Ah, il y a quelque chose en haut. On dirait qu'on peut passer là. Marrant. Bon. Les routes contaminées. Rien à faire ici. Ça ressemble à ce qu'on a trouvé au vaisseau corrompu. Évidemment, maintenant on a plus assez de thunes. Oula, 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 oula. Il m'a fait peur, machin. On a plus assez de thunes pour. Ah oui, ils explosent. Ok, d'accord. Lui, faut que je l'évite alors. Faut pas que j'essaie de le taper. Évidemment, on a plus assez de thunes pour lui acheter des charmes, lui, ni un emplacement. Ouais. De toute façon, il me fallait 4 charmes de plus et il est 1400. Ok. 4 charmes de plus. Alors, par où on se... Par où on va? En bas à droite, du coup, station du roi et puis on... On peut faire la deuxième phase de Hornet, enfin le deuxième combat. Ça, on pourrait faire. Il est où le... Light bleu. Maintenant, du coup, on peut passer par là. Ouais, avant, on pouvait pas. Et on peut aller sur le haut du lac bleu, ce qu'on pouvait pas faire avant. Ah, par contre, c'est un cristal d'âge qu'il faut. Le saut, ça suffit pas. Je me rappelle pas si c'est un truc de spécial ou si c'est juste... Ah, il y a ça. Ça ne sera pas hyper utile en offrance. Mais... Toujours un collectible. Sur la droite. Je crois que c'est ce qu'on veut, là on va descendre. Il y avait un truc au milieu, est-ce qu'on peut l'atteindre maintenant? Je me rappelle plus pourquoi on était bloqué. Parce qu'on avait peut-être pas le cristal d'âge. Peut-être ça. J'ai l'impression qu'on l'a passé là, le. Ah non, on est là au milieu. Mais si on l'a fait, c'est là où il y a le Colisée. Pourquoi on n'a pas la carte? Ah, c'est peut-être. Alors, il y a une autre carte à acheter, du coup. Ok, il y a une autre carte à acheter. Là, c'est le Colisée. C'est pas tout à fait où je veux aller, du coup. C'est en bas. Il donne un petit peu de thunes, non? Ouais, 16. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah. Je pensais être assez haut. Purée.
trouverait pas ici. Ouais, bah. Faut croire que. Il y a eu des champions plus forts que toi. Je vais me soigner peut-être. Puis on va aller essayer de faire le combat contre Hornet. Fight 2. Ah, ça sert à rien que je regarde, de toute façon on n'a pas la carte. Oui, tout à fait. Je crois qu'il l'a appris à ses dépens. Et donc ça nous fait des petits cœurs, enfin des petites vies en plus. 3 vies en plus. Pas mal, pas mal. Hop, 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 hop. Elles vont vite être dépensées, je sens. Tellement. Ah, c'est l'espèce d'insecte. C'est quoi du coup plus bas? Ah mais on voit sa tête. Je savais pas qu'on voyait sa tête. Bardoun. J'avais jamais vu sa tête à ce machin. Être ancien, je pense que c'est une transformation en plus. Alors cette phrase, je ne vais pas la prononcer pour pas ban mon stream, mais... Et tu sais que j'avais pas du tout remarqué, tu fais bien de l'écrire, j'avais absolument pas remarqué. Il cligne du visage. Ah ouais, c'est original. Kalakma. Ah bah c'est ragoûtant ça. La... Cette pluie de sang n'est autre que la peau de la dépouille en décomposition du Wyrm. Sans fin. Ah bah c'est ragoûtant. Trop petit je suis, je possède trop de membres et aucun don de clairvoyance comme ces vieilles choses. Il est bavard, hein. Il y a pas mal de lignes de dialogue. Loin de toutes ces créatures cracheuses, oui tout en haut, loin de ces esprits saints perdus à la lumière. Ouais, là, ça explique pas mal du lore, en fait. En réalité, ouais, ce personnage, il explique quand même pas mal du lore, hein. Et faux, non. Et faux, non. On peut voir ce qu'il pense au fond. Certains préfèrent que leur esprit ne soit pas espionné, c'est assez troublant et envahissant. Tiens, c'est marrant, lui aussi, il se rend compte qu'on l'espionne. Oh. Purée, même deux sorts ça suffit pas quoi. Voilà, je crois que c'est là. Ah non, bah non, ça c'est... Il est vachement grand en fait le machin. Ah peut-être là. Sur ce... De toute façon je verrai rien sur la carte. Vraiment cette habitude. Regarder la carte alors que tu ne l'as pas.
Ouais, je crois que c'est là. Ouais, c'est... Voilà, là je pouvais pas y atteindre sans le double saut. Et là, je vais casser quelque chose. Espèce de hutte, un refuge pour voyageurs.